Bonjour, je m'appelle Luc Degosse. Je m'appelle Blanc Ferrand et j'ai 19 ans. Moi c'est Martin, j'ai 18 ans. Et en gros, on est venu, on est des amis du lycée, on est venus tous les trois ici à Creepacker pour faire un projet de teaching. Donc on s'occupe d'enfants, nous on a entre 6 et 7 ans, ouais. Et on a 3 heures de teaching par jour. Et une journée normale ici, on se lève généralement entre 9h et 9h30. Après, on va prendre le petit déjeuner qui est servi en bas. Et puis après, on part pour 2 heures de projet. Donc, c'est juste à côté des écoles. Enfin, on prend le bus, on y va à pied. Et après, on revient pour le déjeuner et on repart pour 1 heure d'éducation dans une autre école. Et ensuite, après, à partir de 15h, on a tout le reste de la journée pour visiter un peu la ville. Faire des activités, aller au restaurant, on ne sait quoi, aller au bord de la plage, c'est très sympa. On a eu de la chance, il a fait assez beau. Les gens sont très conviviales et c'est top. On a tous adoré. Et le week-end, il y a des sorties qui sont organisées par la Volunteer House. Donc on est allé dans les plantations de thé à 6h de bus, je crois que c'était. Et un autre jour, on est allé au Backwaters. Ça, c'était 2 heures de voiture. Donc voilà, c'était super. On a pu visiter. Je pense qu'on a eu le temps de visiter vraiment tous les alentours. On est resté 3 semaines et on a eu le temps de bien tout voir. Donc voilà, c'était super. Et ce qui est bien avec les excursions, c'est que tout est compris. Donc le repas, le trajet, l'hôtel. Donc c'est cool, c'est organisé. Généralement, on part avec d'autres volontaires. Donc c'est assez sympa parce qu'il faut aussi savoir que dans la maison, il y a souvent d'autres volontaires. Il y a toujours du monde à la maison, donc c'est cool. Et une bonne cohésion de groupe aussi, parce que tout le monde est là pour faire la même chose. Et les gens ils viennent d'un peu partout dans le monde, donc c'est très sympa de discuter avec eux et découvrir pourquoi du comment ils sont venus ici et leurs projets. Et c'est très sympa.